Sauter un poisson. Alors là, ici, on est sur un filet de bar. Ça peut être n'importe quel poisson. On a besoin d'assaisonnement, sel, poivre, un corps gras, le citron en finition pour amener un petit côté acide sur le produit, le filet de poisson et de la farine. La farine, un, pour absorber le côté humidité du poisson, et pour lui donner un petit côté croustillant, craquant. Voilà. Et puis ça va le protéger en cuisant, ça va protéger de l'excès de chaleur. Donc moi, première chose, j'assaisonne quand même avant de fariner. Donc sel, poivre. Donc ensuite, une fois qu'il est assaisonné, je le farine. Donc là, on mélange le poisson, on le retourne dans la farine pour qu'il y en ait sur toutes les surfaces du poisson. Et après, on va le tapoter légèrement pour éliminer l'excédent de farine. Donc là, on fait à la fois adhérer la farine au poisson et en même temps, on élimine l'excédent. Alors, c'est parti. Donc, on est sur une plaque à induction, cuisson tranquille. Ça change de couleur, donc c'est en train de tranquillement blondir à l'intérieur. Alors, là, le poisson peut légèrement l'arroser en cuisson. Alors ça, c'est une technique de chef, Jérôme, il arrose en cuisson. À la maison, c'est pas obligatoire, mais ça va le nourrir, ça va éviter qu'il se dessèche un peu par le dessus, donc un petit peu de gras. Là, on va le retourner délicatement. Donc pour retourner un poisson, passez par en dessous, vous le tenez bien, et vous le retournez délicatement. Là, si j'appuie sur mon poisson, je sens les feuillets du poisson qui commencent à se bouger légèrement. Mon poisson est cuit, je peux le retirer. Juste avant le service. Tac. C'est terminé.